sur ma chaîne. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va parler du métier en transport et logistique ici au Canada. On va parler de tout ce qui concerne la formation, les rôles, l'attitude, les débouchés et bien évidemment tout ce qui nous intéresse tout, c'est le salaire. Donc si la vidéo t'intéresse, je t'invite à la regarder jusqu'à la fin et à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. C'est parti! Donc, pour ce qui concerne le métier de transport et logistique, il te faut une formation au niveau collégial pour avoir ce que l'on appelle un diplôme d'études collégiales ou un DEC. Pour avoir un DEC en transport et logistique, donc, il faut que tu fasses une demande d'admission à un cégep de la place. Et une fois que tu es admis, tu peux donc commencer, bien évidemment, ta formation en transport et logistique. Donc, les tâches en tant que technicien ou technicienne en transport et logistique, tu vas avoir à organiser, ok, organiser des inventaires, être responsable, négocier des prix des marchandises, planifier les déplacements des personnes et des marchandises, préparer des guides d'information pour les personnes qui voyagent ou les personnes qui débarquent. Donc, c'est ça. Où est-ce qu'un technicien ou une technicienne en transport et logistique peut travailler? Ben, la personne peut travailler au niveau des aéroports, au niveau des gares ferroviaires, au niveau des ports maritimes et au niveau routier. Et aussi, donc, les aptitudes qu'il faut avoir en tant que technicien ou technicienne en transport et logistique, il faut bien évidemment aimer travailler dans un contexte international parce que bien évidemment, tu vas travailler ou tu vas être en contact avec des personnes qui viennent d'autres pays. Et aussi, donc, il faut bien évidemment aimer travailler avec le public parce que bien évidemment, tu vas être en contact avec des personnes d'ici et d'ailleurs. Il faut aussi, très important, avoir le sens de l'organisation et être autonome et débrouillard. Parce que, ben, figure-toi, s'il faut que tu négocies les prix des marchandises et qu'il y a comme un débat, il faut que tu saches te vendre, tu saches vendre ton prix, savoir argumenter pour pouvoir convaincre la personne à qui tu veux acheter tes marchandises. Donc, les employeurs, c'est comme je l'ai dit tantôt, ça va être plus les compagnies aériennes, les compagnies ferroviaires, les compagnies maritimes, les entrepôts, hein, les entrepôts, les établissements d'import-export, les établissements de camionnage, les établissements de transport en commun, oui, les bus scolaires, les compagnies de taxi, les compagnies d'autobus aussi, ok? Tu peux travailler aussi au niveau des systèmes de métro, quoi. Tout ça, tu peux travailler partout. Donc, les critères pour exceller dans ce métier-là, ça va être le bilinguisme. Le Canada est un pays bilingue, mais principalement anglophone. Le français est plus parlé au Québec et au New Brunswick parce que c'est la province la plus bilingue. Et donc, s'il faut que tu fasses des missions internationaux, sache que tu ne vas simplement pas aller en France ou dans d'autres pays francophones. Il peut s'avérer que tu sois en contact avec les Américains, nos voisins au niveau des États-Unis. Il pourrait arriver que tu sois en contact avec d'autres pays d'Europe dont la langue n'est pas le français, quoi. Mais étant donné que l'anglais est comme devenu une langue mondiale ou comme toute la planète est capable de s'exprimer, comprendre un peu en anglais, donc si tu es bilingue, c'est un gros avantage. Donc, petite information, si tu vas apprendre l'anglais sans dépenser de l'argent d'une façon gratuite, j'ai déjà fait une vidéo. Moi, j'utilise une application qui s'appelle Duolingo. Je l'ai depuis, ça va faire bientôt 4 ans. De temps en temps, moi, je vais apprendre plus l'espagnol là-dessus. Et mon anglais est coussi coussa. Je suis capable de comprendre ce qu'on me dit. Puis, pour parler, je suis capable de bricoler mes phrases. Okay? Donc, c'est très important d'être bilingue
pour exceller vraiment dans le travail de technicien ou technicienne en transport et logistique. Et deuxième critère aussi, si tu connais une troisième langue, ça va être vraiment, vraiment important. Pourquoi? Par exemple, si tu connais l'espagnol, sache que ici, le Canada a trois principaux pays avec qui il fait vraiment des affaires, trois partenaires économiques, c'est le Mexique et les États-Unis. Donc, si tu es bon en français, tu es bon en anglais, tu es bon en espagnol, mon ami, je ne sais pas quoi te dire. Parce que la plupart des marchandises, les ananas, les avocats, les mangues, ils viennent de l'Amérique latine. Puis là, c'est l'espagnol. Il y a certains aliments, produits cosmétiques, l'essence peut-être. Il y a d'autres produits qui viennent des États-Unis. Donc, si toi, tu es technicienne en transport et logistique, tu es affectée, par exemple, de faire des inventaires, des marchandises qui viennent des États-Unis ou je ne sais pas de où. Il faut que tu te débrouilles quand même pas mal, quoi. À moins que tu veuilles travailler plus d'une du niveau local. Okay. Tu te dis, moi, je veux plus rester juste au Québec. Donc là, tu vas plus travailler dans d'autres industries, compagnie de transport, transport en commun, taxi, bus et autres. Mais le côté vraiment import-export, parce qu'il faut quand même aller à l'étranger ou faire des inventaires, des commandes à l'extérieur. Si tu te débrouilles pas comme il faut dans certaines langues, ça peut être un peu problématique. Donc, en gros, pour résumer ce que je te dis, apprends une deuxième langue qui va être soit l'anglais ou l'espagnol. En tout cas, un des deux, c'est très important. Moi, en ce moment, j'apprends l'espagnol parce que j'aime ça. Puis, la culture latine m'intéresse, et aussi ben on a tous été quand même influencés dans notre jeunesse par des télénovelas, quoi. Donc c'est un peu ça. Ensuite de ça, sache que le troisième critère, il faut que tu sois capable de travailler sur des cartes de jour, de soir et de nuit, donc tu sois apte à faire des rotations. Et pour ce qui est du salaire, là le salaire que je te donne provient des informations qui ont été récoltées en 2019, et le salaire s'est élevé donc à 31,04 $ pour une grande industrie donc privée, et ce qui équivaut à peu près à 13 649,59 francs CFA par heure. C'est quand même énorme. Donc, 31,04 $ de l'heure en tant que technicien ou technicienne en logistique ici au Canada en 2019. Donc, ils étaient payés pour une grande industrie privée, travailleurs au sein d'une grande industrie privée, étaient payés à 31,04 $ de l'heure. Donc, ce qui équivaut en ce moment à 13 649,59 francs CFA par heure. Donc, c'est un peu ça. Mais j'aimerais souligner quelque chose. Je vous donne des salaires en francs CFA, mais sachez que par rapport à la qualité de vie, par rapport au coût de la vie ici au Canada et au coût de la vie en Afrique, c'est pas la même chose. Ici, le coût de la vie va avec le salaire, et en Afrique, malheureusement, c'est pas comme la même chose. Mais tout de même, je voulais vous faire cette petite équivalence. Pour ce faire, je vous laisse avec cette vidéo. Je vais vous mettre en barre d'infos le lien qui donne plus de détails à ce sujet, ainsi que les emplois disponibles en ce moment. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi des pouces bleus, likez, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis au revoir.